Salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flipper. Vous ne rêvez pas, c'est bien ma maison et je vous le fais voir. Voilà, enfin voilà, vous pouvez voir que j'ai refait tout l'extérieur qui m'a pris quand même un bon petit moment. Mais cette petite maison dégueulasse est devenue maintenant un petit paradis. Alors si on veut quoi, hein? Ouais, mais quand même. Ça, c'est cool, quoi. Vous voyez, j'ai tout refait. Bon, on peut pas repeindre les trucs là. Ah, mais c'est déjà pas mal. Donc, la nouvelle jeunesse, quoi. Voilà, ça, c'est la nouvelle maison. Et on va, sans plus attendre, rentrer dans cette maison. Nous allons fermer. Et donc, ah, voilà, bah, la maison, elle est refaite à neuf. Il y a que le sol, ici, que j'ai pas touché, parce qu'il est beau. Il est en bon état, donc on va rien faire, on va rien dire. Notre maison est parfaite. La dernière fois, j'avais fait donc la mission. On est les 13. Voilà. Et c'était soit je faisais les missions, soit j'essayais de voir un moteur de recherche pour acheter une maison. Vous voyez que la première maison, elle est à 26 000 et nous on a 64 000. Je me dis que je peux largement commencer à acheter des petites maisonnées. Donc, peut-être acheter celle-ci. Et la refaire et la vendre. Après, on refera un petit peu des missions. Puis après, on fera cette maison-là. Puis après, cette maison-là. Vous voyez, elles sont pas chères du tout, hein. Et on a de plus en plus grand, de plus en plus. Voilà, même une maison rose à 120 000, hein, euros, forcément. La plus grosse, elle est ici, 232 000 euros. La maison des jeunes mariés. Et vous voyez qu'il y a... Il y a de quoi faire. Donc, là. Oups, pardon. Pour la toute première. C'est la maison abandonnée. Voilà. Ah, d'accord. Elle est maison des années 50 avec répartition des pièces originales. À rénover entièrement grand terrain. Il y a 36 mètres carrés. Et voilà quoi. Je pense qu'on va pouvoir l'acheter et ouais, la rénover. Et on y va aller. On va y même y aller immédiatement, tout de suite. Nous voilà à la maison. Alors, vu que là on a acheté une maison, qu'on va la rénover, on va pouvoir aussi la vendre. Et les acheteurs, donc, sont présentés comme ça. Sur la gauche, tu vois les vignettes des acheteurs. De temps en temps, ils vont faire des commentaires sur ce que tu fais. Fais attention surtout à ceux du haut. Plus ils se trouvent haut, plus ils sont prêts à acheter la maison. Et voilà, notre superbe maison. Voilà qu'on a acheté quoi. Bon, on peut toujours pas faire les jardins. Ça, c'est une tristesse, hein. Et ouais, elle est beaucoup plus grande que celle que nous avons actuellement. Mais c'est la nôtre. Ouh, il faut déjà nettoyer. À nettoyer. Balayer. Ah, sticker, casa toujours fait pas. Voilà, j'ai déjà sorti mon balai. Vous pouvez le voir qu'il y a des putings de toile d'araignée. C'est bien, bien crade. Ça va être surtout une grosse mission de nettoyage et après de rénovation. Je ne sais pas trop si je vous montre la rénovation en cours ou si je vous la montre une fois faite. Vous ayez la surprise un peu. Peut-être que pour certaines choses, je vais vous montrer. En même temps, je ne sais même pas ce que je vais faire. Donc, on va voir, hein. Allez. Ta-da-da-da. Et voilà la maison. Bienvenue chez vous. Ah, oh, la porte qui est de guingois. Ok. Touc. Et on commence à ce que je préfère faire. Pour l'instant, c'est jeter toutes les merdes. Touc. Regardez-moi ce meuble. Dans la vraie vie, moi, je le garderais. Je le repeindrais. Parce que franchement, il est très très beau. Mais bon, nous ne sommes pas dans la vraie vie. Lui, il est pas trop dégueulasse, ce truc. Ici, c'est... Ah! Ah non, il y a encore des cafards! Pourquoi, Tandem? Ici, c'est la cuisine aux cafards. Oh! Oh, sortir l'aspirateur, oui. Je me suis un peu améliorée en skills de cafard. Ouais, ou pas. C'est fou parce que... En fait,
En fait, j'ai envie d'aller dans le sens inverse de ce que je vois. Je sais pas pourquoi. Bah ouais. Je sais pas. En fait, je pense que c'est dans les jeux, quand on pousse, on va. On fait genre la souris qui va vers l'avant, et ben. Non, je sais pas. Je sais pas. Je vais à l'envers, moi. Allez, il y en a encore deux à choper. Là, le gros, là. Voilà. Vous voyez, ouh là 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 là, oh là 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 là, oh c'est beau. Ah c'est beau tout ça. Et ici, nous avons une salle de bain flambant neuve, magnifique. Oh là là là, on jette. Et ça, elle est encore passable, mais oh, aïe 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 aïe. Donc voyez, on achète des maisons qui sont dans un état dégueu. Bon, alors on nettoie, parce qu'on est fait pour nettoyer, hein, dans ce jeu. C'est beaucoup de nettoyage. Et après on rénove. On met les couleurs qu'on veut, tout ça, les meubles qu'on veut. Il faut mettre aussi des éviers, des radiateurs, vous savez, c'est le jeu des radiateurs. Et après, et puis ben on vend. Et on voit. Depuis le temps que je vois ça, moi j'avais envie de rénover ma maison. Au moins une maison. Fais un effort et nettoie comme il faut. Oui, je t'emmerde. Nouveau point de compétence disponible. Ah, ranger. Tu vois toutes les salissures sur la minimap. Jeter les poubelles à ta portée. Et les mains rapides. Ranger. Oh bah, on n'a pas amélioré ce point-là. Ok. Bah écoutez, hein. Puis je dois nettoyer les vitres aussi, tant qu'à faire. Bon, ça a l'air d'être plutôt. Non, enfin, c'est pas plutôt nettoyé. C'est toujours crade. Il y a des saletés qui sont vicieuses. On va jeter. Après, on va. Touc! On se fait des sous. En fait, les gens, ils sont partis. Ils ont pris leur petit-déj. Et ils nous ont laissé la vaisselle du petit-déj, quoi. Ils se sont dit, ouais, bah non, on va pas déménager. Ça, je pourrais la vendre. Je sais pas. On va peut-être la garder en attendant. Ça a l'air d'être clean ici. Mais ça a l'air seulement. Ici, on va nettoyer aussi. Je ferai les vitres, hein, bien sûr. Je vous ferai ce cadeau-là de faire les vitres. Ah, le petit plafond. Ça a l'air d'être presque clean ici. Les murs sont dans un sale état. On va ouvrir la porte. Ah oui, d'accord, elle était pas dans le bon sens. Et ici, nous sommes dans une fabuleuse chambre. Ah, on peut pas. Le lit, ils nous disent oui, non, mais tu peux le garder. J'ai envie de dire. Pourquoi garder ça, hein? Non, je vais le vendre. On récupère 41 euros. Et on nettoie. Comment ça? 100 lits? J'ai besoin d'une chambre et d'une seule. Un tout petit peu de ménage, ça serait tout propre. Désordre artistique. Je voudrais avoir un endroit où dormir. D'accord. Ben oui, mais t'inquiète. Tu crois que si tu veux dormir dans un lit dégueulasse, moi ça me dérange pas, hein? Bon. Niveau crasse-pouille, on est bien. Ah non, il y en a encore là. Ouais. Après, c'est extérieur. Bon, on va nettoyer la vitre. Je sais que vous adorez ça. Youhou! Voilà. Je vous fais ce cadeau, hein. Après, pour ce qui est de la rénovation. On verra si je vous laisse tout voir. Je pense que je vais vous faire des petites surprises. Il y en a qui ne seront peut-être pas contents, hein. Mais j'ai envie de dire tant pis, hein. La meuf trop sympa. Non, mais en fait, c'est pour. Parce que je vais sûrement réfléchir. Je ne sais pas. Parce qu'il faut réfléchir l'aménagement, en fait. Ok, on peut facilement. Ah, ranger.
Mais ah oui, non, d'accord, je pensais que j'en avais encore un à mettre. Oh là là. Oui, voilà, je vais voir si je garde l'aménagement comme ça. La chambre à cet endroit-là ou pas. La plupart des autres que j'ai vus qui faisaient le jeu gardaient la même chose. Je sais pas si je vais faire la même chose. Combien de mètres carrés ici? 13 mètres carrés. Ouais. D'accord. On va aussi installer un radiateur ici. Ça c'est fait. On va nettoyer les vitres. En fait, pour faire les vitres, ils ont dû coder un truc, un espace très petit. C'est-à-dire que si on va trop vite avec on va trop loin avec la souris, ça prend pas en compte. C'est dans un tout petit truc. Ah, puis c'est crade là où j'avais pas vu. Et en fait, si moi je fais des trop gros mouvements, ils vont pas prendre en compte mon mouvement. Mon balai magique. Voilà. Là aussi c'est crade. Comme quoi on voit pas tout, hein. Allez hop, nettoie. Bon, on n'y voit plus clair, quoi, hein? C'est nettoyé. Je vais vendre. Je vends tout, moi. Ici, on va nettoyer. Ici aussi, on va nettoyer. Je crois qu'on aura fait toutes les vitres. J'avais cru que c'était cracra, mais en fait, non. Ok! Et on va installer peut-être le petit radiateur ici, évidemment. Toujours, toujours le radiateur de nos cœurs. Ici, il n'y a pas de radiateur dans la salle de bain. Très bien. On est bien. Je pense qu'on est bien. Tchouk. Hop. Merci, au revoir. Maintenant, il va falloir repenser l'espace. Je pense que je vais tout casser. Mais tout casser, hein. Tout casser. Parce que normalement, on peut reposer l'espace. Je pense qu'on peut réinstaller, en fait. Mais je vais voir ça. Je vais voir ça. Bon allez. J'ai pris la décision. Je vais tout casser. Et je vais essayer de pas jouir en cassant les murs. Parce qu'apparemment ça dérange. Mais moi j'adore ça. Mais regardez-moi ça. Mouah! Oui. C'est bon ça. Et regardez, ça va ouvrir l'espace. Ça va être particulièrement magnifique. Oh la merde, je suis dans la poussière. Je me prends tous les trucs dans la gueule. Hop. Et boum. Voilà. Oh, même qu'il y avait une peinture jaune avant. Et même ici, je vais tout casser. Je vous jure, c'est... En le voyant, on capte pas forcément le plaisir que c'est de casser, hein, franchement. Ah oh. Oh, oui. Hop, qu'est-ce qu'ils disent les acheteurs là? Ils sont pas contents? Et peut-être que la maison je vais la garder pour moi. Hein. Alors. Je dis je casse tout. C'est pas grave s'il faut les refaire les murs. Oh là là, quel désordre ici. Les vieux, ils sont choqués. Oui, hein? Nous, on fait du homestaging. Alors, je sais pas si je vais pouvoir casser ça.
Ah si, j'ai la haute qui est tombée en fait. C'est pas grave. Ah ok, alors. Déjà, regardez-moi. Ça prend... Punaise! En fait, c'est super grand, on s'en rend pas compte. Et il y a un truc que je voulais essayer, moi, c'est de péter, si possible, les murs de la salle de bain pour la mettre ailleurs. Je sais pas si c'est possible. Normalement, oui, hein. Grâce au truc installation, en fait, je vais vous montrer ici. Installation, climatisation, un système de pompe de douche. Et en fait... Je peux normalement la mettre où je veux. Mince. Après, ça coûte cher, hein. Mais... Je peux pas le tourner. Ah, il faut que je mette directement contre un mur. Mais alors, dans ce cas-là, on va le mettre là. Par exemple, ici. Je pourrais mettre la douche. En gros, hein, parce qu'effectivement, je vais pas la mettre là. Et à côté d'un radiateur, mais... Je peux changer de ce que je veux faire. Bref, j'ai compris ce que je dis moi. Donc je vais essayer de tout casser. Puis on verra bien ce que ça Voilà. Ça, c'est la maison. Tout est pété. Alors je tiens à dire qu'en fait, voilà, j'ai pu péter les murs de la salle de bain là-bas. Au début, c'était pas possible. Le jeu ne voulait pas. Qu'on vide, on pouvait pas casser les murs en fait là où il y avait ça, mais maintenant on le peut. Et moi ça me ravit parce que ça veut dire que je vais pouvoir faire comme je le sens. Et je pense, parce qu'on a l'entrée ici, on va faire une petite salle d'eau comme ça, là. Ouais, parce qu'il y a le radiateur. Je pense qu'avec la douche ce sera un peu petit. Ou alors la salle d'eau ici. Parce qu'en fait, c'est un peu plus grand de l'autre côté. Pour faire salon, chambre. Ouais, je vois bien la salle de bain ici, en fait, dans ce coin. Au ras du radiateur, tac, tac, comme ça. J'aurai de quoi mettre la douche, la toilette et le robinet, je pense. Hein. Oui, bah oui, je pense que ce sera largement assez. Ici, il y aura peut-être kitchenette. Et ici, on aura salon et chambre. Je pense que ce sera pas mal. Bon, ben, je vais construire ça de mon côté. Je vous reviens. Je vous montre mon avancée de travaux au fur et à mesure. Et oui, suspense! Alors que le soleil se couche sur la partie, j'ai travaillé et voyez, j'ai construit un mur. Un mur pour la salle d'eau. Donc j'ai dû m'y reprendre à deux, trois fois parce que pour l'installation de la douche, c'est bien passé. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de place entre les deux fenêtres, évidemment. Donc j'ai dû le caser ici. Vous voyez, voilà, l'installation de la douche est ici. Et voilà, donc l'ouverture de la porte sera là. Et la petite salle d'eau sera ici. Donc maintenant, il me reste à délimiter le terrain pour le reste. De toute façon, je pense qu'ici, comme j'ai dit, ce sera une petite cuisine. Avec l'essentiel, et après, bah, voir où est-ce que je mets la chambre et le salon. Je pense que la chambre sera petite. Elle était assez grande, l'ancienne. Elle allait de là, comme ça. Et bah, elle sera quand même beaucoup moins. À moins que je la mette ici dans le fond. Je vais voir, en face de la salle de bain, ça pourrait le faire. Hein. Ouais, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. En tout cas, voilà. On va avoir ça. Je vais bientôt brancher des lampes parce que sinon je ne vais plus rien voir de ce qui se passe dans la maison pour pouvoir la faire. Une chambre de 4 mètres carrés. Salle de bain de 4 mètres carrés. Je trouve ça correct. Je trouve ça correct. Donc moi je continue mes petites installations. Je vous retrouve au moins, bah peut-être. Je sais pas. Je vais voir. Je vais sentir comment j'avance et puis je vous dirai après. Bon, il fait nuit noire, hein. J'ai un petit peu avancé. Si vous voulez entrer, si vous voulez donner la peine d'entrer, wesh. Regardez-moi cette cuisine. Je suis trop contente en fait. Ça rend tout bien et tout. Ça rend trop trop bien. J'aime trop.
Bon, bien sûr, j'ai pas repeint et tout. Là, j'ai mis les couleurs basiques et tout, mais en fait, je trouve que ça prend trop bien la place. Et regardez la place qu'il y a encore. Et on a la salle d'eau. J'ai mis les. J'ai pas encore monté les trucs, mais en tout cas, il y a la place pour tout ça. Enfin bref, je suis trop contente, quoi. Je m'attendais pas à ce que la cuisine se case tout aussi bien. Alors, bien sûr, j'ai recyclé ça. Regardez, c'est nickel, ça passe très bien, il y a largement de la place et tout, c'est même beaucoup plus grand que ma propre cuisine. Donc bah, c'est le kiff quoi. Donc je vais m'attaquer peut-être à l'emplacement de la chambre. Suspense. Mais je pense que ouais, elle va quand même avoir de la des fenêtres parce que sinon ça fait très sombre. Je sais pas. Je vais réfléchir ou alors je finis la cuisine, je sais pas encore. De toute façon, je vous tiens au courant, vous allez voir au fur et à mesure et je pense qu'à un moment donné, vous ne verrez plus rien. Parce que je finirai tout et vous pourrez faire la découverte surprise. Vous voyez là quand même l'avancement, vous savez déjà que la cuisine serait ici. Je suis tellement contente qu'il fallait que je vous la montre. Et vous savez où serait la salle de bain. Et puis bah, le reste, peut-être que je vous ferai que la visite finale. Eh, bon allez, je vous retrouve après. Voilà. J'ai mis le temps, mais j'ai fini par finir, oui, c'est le cas de dire, cette maison. J'en ai marre. Finalement, vous allez voir que j'ai dû revoir l'installation complète bah de la maison, en fait. Hein. De là où j'avais mis la salle de bain et la cuisine, ça a un peu bougé, parce qu'en fait, le jeu n'accepte pas qu'on bouge les installations, des tuyaux, les machins, trucs muches. Enfin, si, ça passe, mais une fois qu'on veut installer, bah, ça passe pas, en fait. Genre la douche et tout. Parce que je pense qu'il y avait les trucs de prise et compagnie, et je pouvais pas les virer, comme elles étaient dans les murs de base. Donc il faudrait que je fasse attention à ça. Bref, j'ai mis le temps, j'ai juste pas le courage de revoir tout l'extérieur, donc je vous le laisse comme ça. Mais je vous fais la petite visite et après on la met en vente et on voit si on a gagné de l'argent. Je suis à 32 662 euros. Attention, attention. On va ouvrir la porte qui a changé aussi, bien sûr, j'ai changé la porte. Donc, je vous fais la visite. Bienvenue dans la maison. Alors, nous voici donc l'entrée. L'espace salon, tout petit, mais comfy. Nous avons en face la grosse télé, un peu de décoration. Voilà, donc j'ai essayé de faire les meubles Wenge, donc assez sombres de partout. Et j'adore le contraste avec les fenêtres que j'ai fait, le mur du fond qui est une espèce de bleu foncé là, super joli. C'est pas le même que dans la maison bureau. Et j'ai fait le contraste blanc sur cette fenêtre-là, et cette fenêtre-là, j'ai fait le contraste bleu. Et c'est vraiment, je voulais vraiment accentuer le côté un peu confort, cosy du salon. Et puis voilà, on s'assoit ici, on a la table, on a un bouquin, The Secrets. Et on regarde la télé, tranquillou, avec des petites plantouilles, machin. La petite table ici, avec la lampe que l'on peut allumer, évidemment, hein. Ça, vous voyez un peu mieux la couleur, tout ça. Alors, c'était là où j'avais mis la cuisine à la base, mais la cuisine, elle a bougé ici. Et la voici, donc j'ai gardé les meubles, hein. Je me suis pas emmerdée, parce que j'ai juste revendu un meuble parce que j'avais oublié de mettre un frigo. Oh, c'est super drôle, mais voilà. Donc j'avais avec la petite lumière, voilà, simple mais efficace. Des étagères, des nécessaires de machin, des boules de trucs mûches, machin, du riz, voilà, du peanut butter, des étagères qui sont vides parce que j'aurais voulu mettre ça, mais j'y arrive pas. Voilà. J'ai mis des stores de partout pour faire un peu les, voilà. Et vous voyez, j'ai mis un mur, j'ai laissé un bout de mur pour faire une micro-séparation, voilà. Parce qu'on ne peut pas faire des demi-murs dans ce jeu, pas comme dans les Sims, sinon j'aurais fait peut-être un demi-mur pour faire la séparation. Mais alors, une petite poubelle, on n'oublie pas la poubelle dès la cuisine. Parce que j'ai failli quand même pas mettre de frigo. Franchement, je m'en suis rendu compte assez tard, hein, que j'avais pas mis de frigo. Voilà pour l'espace à vivre. Et ici, on en a une petite salle à manger, enfin voilà, on fait la cuisine ici, on vient manger là et on va se reposer, regarder la télé ici. Donc pareil, toujours dans les tons Wenge pour le coloris du bois. Au niveau des tapis, j'ai un peu galéré, donc j'en ai mis qu'un seul pour le côté salon, j'en ai pas mis ici, même si je trouve que ça manque. Voilà pour les luminaires, cette lampe-là, elle est très sympa.
Aller sur pied comme ça, tout ça. Oui, on peut les allumer, on peut les éteindre, on s'amuse quoi, c'est... Voilà. Donc il y a deux portes. Il y a une chambre et une salle de bain. On va commencer, je pense, par la salle de bain. Attention, elle est rikiki, hein. Et vous voyez que j'ai dû la mettre au même endroit que... Ah oui, je peux pas, c'est tellement rikiki que si on passe pas, et eh ben on passe pas. Voilà. Et rikiki, mais donc c'est exactement au même endroit quasiment que la base, que le jeu de base. Je ne pouvais pas faire autrement, le jeu n'acceptait pas. Donc la douche, revisiter les toilettes et le petit évier. J'aurais voulu mettre un plus gros évier, mais on n'aurait pas pu passer en fait. Ou alors j'aurais dû le mettre là, mais avec le petit panier à linge, la petite plante, un bouquin, une boîte, et on a la réserve de PQ ici au-dessus du toilette. Les carreaux sont bien bleus, très clairs, hein. Il n'y a pas, vous êtes pas, vous n'avez pas un problème de réglage, c'est bleu très clair et au sol c'est blanc. J'ai mis le petit tapis. Voilà, puis on ouvre la douche, tout ça. On est bien, quoi, c'est cosy, hein, c'est petit, mais c'est possible. Alors, ce qui est magnifique dans ce jeu, c'est que selon dans le sens où on ouvre la porte, elle s'ouvre dans des sens différents. C'est House Flipper, hein, ça. Et on va arriver dans la chambre. J'ai galéré, franchement. Vous voyez que j'ai fait des trucs muches et tout pour essayer de gagner de la surface, parce que sinon je trouvais que le séjour était beaucoup trop petit. Et je voulais pas perdre de la place, donc voilà pour la chambre à coucher. Hop, voici la chambre. Donc j'ai réutilisé le bleu qui était dans le salon pour... Attendez, je vais allumer. Hop, pour mettre en fait les deux murs de fond comme ça, puisque le reste je l'ai mis en blanc. On a un petit coin, puisque ici il y a un petit renfoncement pourri, mais j'ai mis un fauteuil. Voilà, il y a une espèce de coiffeuse. J'ai pas mis de chaise, sinon ça rentrait dans le passage. Un lit double avec deux tables de chevet, des cadres avec montagne enneigée et une cascade. Là, c'est la plage. Des meubles toujours en wenge. Toujours, je dis, j'ai fait le plus possible dans le même ton de bois. Meubles à chaussures, meubles machin, des boîtes. Truc muche, voilà. Les petites lampounettes. Voilà, chacun sa lampe de chevet. Et des stores un peu fermés, parce que les rideaux ne passent pas dans cet espace. En tout cas, voilà. Et puis, chacun peut éteindre cette petite lampounette. Hop, on éteint. Et voilà, vous avez vu l'essentiel de la maison. La chambre fait quand même 11 mètres carrés. C'est pas négligeable, elle est un peu biscornue, hein, je vous l'accorde, mais bon, là il y a de la place. Les armoires étaient beaucoup trop grosses pour les mettre là, donc j'ai bidouillé, j'ai mis que ça. Et ici, voilà, ça c'était trop grand, donc j'ai mis un petit fauteuil. Et je trouve que ça se passe très bien en fait. On se case là. Attendez, on va se mettre sur le fauteuil. Hop! Bon, on est un peu dessus, mais c'est pas grave. Vous voyez, on a quand même la vue. Voilà, tranquillou, milou, quoi. Hop là, on sort. Et donc oui, ce que j'ai juste pas fait, c'est retoucher l'extérieur parce que franchement, j'avais la flemme. J'ai passé énormément de temps dessus pour une première maison. Il y en a, ils se seraient pas fait chier. Ils auraient gardé exactement sans retoucher les murs. Mais moi, j'ai essayé. Hein, ça n'a pas forcément marché, mais j'ai essayé. Voilà, ben maintenant, on va la mettre aux enchères. Et j'espère avoir gagné de la thune. Le jour se couche encore une fois. Ça fait que la troisième, quatrième fois, je sais pas. Je pense que c'est des cycles d'une heure en fait. Donc voilà ma petite maison. Et je crois que c'est entrée pour la vendre effectivement. Hop! Nous avons acheté pour 26 227 euros. Le terrain, on s'en fiche. La maison de surface de 36 mètres carrés, elle a besoin de 3 chambres. Donc, en fait, 3 chambres, c'est-à-dire 3 pièces. Hein? C'est des rooms, mais ils ont traduit en français en chambre alors que c'est pièces. Tu disposes actuellement de 32. Le temps de travail passé cette maison de 4 h 14 et 34 secondes. Évidemment, hein. J'ai pas filmé tout ça, heureusement. Et on va la vendre. Attention. Il y a une grande chambre. C'est top. Je ne comprends pas à quoi pourrait bien me servir cette cuisine. D'accord. Ça me plaît d'avoir un endroit où dormir. Oui, c'est mieux. Je voudrais qu'il y ait une chambre dans ma maison, mais une seule. Ouais, parce qu'il comprend que c'est chambre et pas room, pièce. J'aimerais louer cet appartement à deux personnes, alors c'est bien qu'ils aient un endroit pour dormir. Les locataires apprécient quand il y a deux salles de bain. Bah oui, mais il n'y a pas de place. Excuse-moi, je suis sœur, j'ai pas besoin de deux chambres. J'aime les objets modernes. Je voudrais qu'une chambre, pas deux. Les cadres égayent les murs.
Une seule salle de bain, parfait. J'ai besoin d'une chambre et pas de deux. Alors, trois chambres, c'est le nombre idéal. Super. Une salle de bain, parfait. Oui, voilà. Je vais pouvoir ranger toute ma collection de magazines sur les étagères qui se trouvent dans la maison. Il manque un espace personnel juste pour moi. Et il propose 40 276 euros. Donc, genre 20 000 de plus que ce que nous l'avons acheté. Ça fait que la rénovation m'a coûté 625. Ça va, c'est pas le plus compliqué. Donc les peintures, les murs, l'abattage de murs, le remettage de murs, le rabattage de murs. Les meubles achetés, 3 980. Ouais, c'est ce qui a coûté le plus. Mais oui, bah, j'en ai acheté plus que j'en ai vendu. Parce que j'en ai gardé. Il y en a que j'avais mis posé, mais j'ai revendu. Achat de la maison. Ça me fait un gain de 17 000 euros. On va accepter l'offre, hein. On va pas faire nos compliqués, hein. Voilà. Acheteur, quelles sont tes impressions après la vente aux enchères? Si avant la prochaine vente, tu voulais des informations sur les acheteurs, j'ai enregistré tes notes sur eux, sur la tablette. Ah, ça veut dire qu'on va pouvoir cibler les acheteurs. Environ famille Jean-Jean, 105 ans, marié, 3 enfants et une grand-mère. Et donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 chambres. Oh la vache. Pas d'informations. Lui, c'est quoi? Ah, d'accord, ça me plaît d'avoir un endroit où dormir. Il y a assez de place pour tous mes livres sur les étagères. Certes. Je voudrais qu'il y ait une chambre dans ma maison, mais une seule. L'endroit pour étudier devrait se trouver à côté de l'endroit pour dormir. Donc lui, il voudrait un bureau à côté du lit. Si on le vise, lui, il faudrait un bureau à côté du lit. Daniel Trusk, une seule salle de bain, parfait. J'ai de la place pour ranger mes documents, mis à part le couloir et le bureau, le mobilier devrait être le moins cher possible. J'ai besoin d'une chambre et pas de deux. Il me faut une pièce indépendante pour en faire un bureau. Oui, bah il n'y a pas de place là. Georges. Lui, il veut pas de cuisine. Mais ça peut être intéressant parce que si lui, on le vise, on fait pas de cuisine, on gagne de la place. Il y a beaucoup de trucs. Oh mon Dieu, il y a un sauna dans cette maison. Il y a une grande chambre, c'est top. Je me sens bizarre dans cette maison un peu misérable. What? Tu entends cette subtile musique, ce bruit de télé? Non, moi non plus, et ça me rend triste. Ah! Oh, il y a une baignoire, mais il n'y en a qu'une. Ah, il faudrait beaucoup. Alors, pas de cuisine, mais beaucoup de rangement. Oui, il est styliste en même temps. Une télé. Une baignoire. Une grande chambre. Ouais, c'est intéressant quand même, hein. Installer une kitchenette dans un sens, c'est vraiment une bonne idée. J'aimerais louer cet appartement de mon salon, mais c'est bien qu'il y ait un endroit pour dormir. Heureusement qu'il y a au moins un canapé. Des objets chers dans une maison de location, c'est pas une bonne idée. Et si le locataire les casse? Les locataires apprécient quand il y a deux salles de bain. Ok. Jean Traître. Super. J'adore le nom. Les nanas, elles adorent les trucs chers dans la maison. Super. Célibataire, teuf, meuf et alcool. Ok, super le gars. Les vieux, ils veulent quoi? Ici, il y a un beau séjour. Trois chambres, c'est non idéal. Très bien. Qu'il y ait une salle de bain, un cuisine, on pourra concocter les bonnes choses aux petits-enfants. Dans une maison, c'est plus beau quand il y a beaucoup de cadres. Quelques tapis enchantent l'atmosphère dans toute la maison. Dans cette maison, on trouvera bien assez de place pour ranger tous nos livres. Dommage qu'il y ait si peu de bois, mais c'est déjà ça. Une maison agréable. Ben dis donc, eux, ils aiment tout. Ah, c'est lui qui nous a acheté la maison. 28 ans, coach sportif. L'appartement d'un homme doit avoir du caractère. Ok. Oh punaise! Oui, je vais pouvoir trancher ma collection de magazines. Quelques affaires temps serait pas mal. Il faut bien une faire dans son salle de bain. Ok, pourquoi qu'une seule? La première impression est importante, alors qu'il y a un salon. Une grande chambre, c'est un plus. Il manque un espace personnel juste pour moi. Il n'y a même pas de télé, c'est pas terrible. Pardon, où sont les enceintes? Bah, s'il y avait une télé, espèce d'idiot. Oh, mais dis donc, c'est qu'il y a pas mal d'acheteurs, hein. Il y en a qu'on connaît pas. Des cadres gais, des murs. Ok, très bien. En tout cas, bah, c'est super. Bah, moi, de toute façon, je vais vous laisser là-dessus pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. J'ai un solde de 78 939 euros. Je vais peut-être faire encore une mission pour la fois prochaine et après, on se réattaquera à une maison à refaire entièrement.
Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un message, un pouce bleu et à vous abonner. En tout cas, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite de House Flipper ou d'autres choses. Allez, salut!